Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 11. Comment dit-on « je t'aime » ? Je ne sais pas pour les autres. Se souviennent-ils le jour, la minute, la seconde, la fois où ils ont dit « je t'aime » ? Comment était-ce ? Réussi ou... Avec le sentiment de n'avoir rien dit, tellement ces mots ont trempé dans d'innombrables combines, et on en a une conscience claire et affreuse au moment de dire véritablement « je t'aime », précisément à ce moment-là. Ce pourquoi on peut refuser de le dire. Le refuser absolument. Par pure honnêteté. Parce qu'il s'agit de mots sacrés. Ou alors s'y risquant malgré tout, en mettant tout son amour dans l'intonation de sa voix et dans l'intensité de son regard, dans l'espoir de dissimuler le faux du langage. Il faudrait des mots neufs. Il faudrait refonder le langage. Pour que, disant « je t'aime », on dise « je t'aime » et pas autre chose. Pour que, disant « je t'aime », l'autre n'entende pas autre chose qui, en sous-main, n'aurait rien à voir avec de l'amour. Comme certains disent « je t'aime » et cela signifie « sexe ». D'autres disent « je t'aime » parce qu'ils en ont plein la bouche de dire « je t'aime » et peu importe si l'autre s'y laisse prendre. Sans parler de ceux qui disent « je t'aime » pour couper court et donner à l'autre ces mots suprêmes qu'il ne sera jamais las d'entendre. Et qu'on n'en parle plus. On mange quoi ce soir ? Y a quoi à la télé ? Cela ne compte pas. Cela font de la politique. Cela donne à l'autre sa pitance d'amour. Je ne parle pas non plus de ceux qui réclament qu'on les aime. Cela exige d'être aimé avant que d'aimer. Toi d'abord et moi ensuite, et cela ne sont que des épiciers. Non. Je parle de ceux qui, au moment où ils l'éprouvent et parce qu'ils l'éprouvent, tentent de dire ce qu'ils ressentent d'unique dans une langue qui est à tout le monde, avec des mots qui ne sont à personne. En tentant de faire passer la pureté de leurs sentiments dans l'impureté de la langue. En tentant de renouer avec l'invention du langage, oui, l'invention du langage. Car à quoi bon avoir inventé des mots si ce ne fut d'abord pour parvenir à dire quelque chose d'aussi indicible que « je t'aime » ? Pour, sans les mains, tendre la main et exprimer ce qui, tout au fond de soi, s'élance vers l'autre et cherche à s'étendre à l'infini. Exige d'éclater au grand jour, comme une force impossible à contenir, une lumière devant éclairer le monde, le meilleur de soi-même, sans lequel l'homme n'aurait jamais trouvé l'énergie de se dresser sur ses deux jambes et de cesser de se prendre pour un singe, etc. Croit-on que le langage a été inventé pour dire « bonjour, bonsoir, on mange quoi à midi, y a quoi à la télé ce soir ?» Ne mets pas tes coudes sur la table. Allez l'OM. Laisse-moi rire. C'est parce qu'il y a un indicible, par définition, que nous ne pouvons pas garder pour nous et qu'il nous faut pourtant partager, et pour aucune autre raison. Et voilà une nouvelle théorie du langage qui me plaît bien. Voilà pourquoi M s'évanouit, selon moi. Parce que dès l'instant où elle murmura à mon oreille « je vous aime », il se fit un grand vide en elle. Un grand vide en lieu et place du meilleur d'elle-même, dont elle fit, à ce moment-là, le plein des mots qu'elle murmura à mon oreille, sans rien garder pour elle, strictement rien. Et ce grand vide la happa tout entière, ce grand vide comme un trou d'air
l'effondra immédiatement sur elle-même. Et quoi de plus compréhensible? Que croit-on qu'il se passe lorsqu'on dit je t'aime pour de vrai, du plus profond de son âme? Parvenu à ce stade, j'aimerais qu'un génial inventeur mette au point une norme de compression littéraire, à l'instar de celle dont bénéficient les images, JPEG, TIFF, les vidéos, MPEG, WMV, AMV, ou les sons, MP3, AC3. Car il n'y a pas de raison pour que les textes ne profitent pas, eux aussi, d'un progrès technique partout à l'œuvre qui, même en supprimant des harmoniques qui y font la différence, permettrait d'alléger ce que nous avons à dire. Et dans mon cas, ce ne serait pas du luxe. Je serais plus à l'aise pour parler du jour où ma mère m'appela au téléphone pour me dire qu'elle m'aimait. Oui, encore ma mère. Je sais. À qui le dis-tu? Heureusement qu'on n'a qu'une mère. Sachant que, là encore, je parle des conséquences à mon niveau individuel des choses. Et que je ne parle pas de la femme. Je parle de ma mère. Saisis-tu la nuance? Elle est pour moi cruciale. Je pardonne tout à la femme, mais rien à ma mère. Comme à la fin du film 1900, Millenovecento de Bertolucci, qui date de 1976. En 1976, tiens donc. Lorsque les paysans jugent leur salopard de patron lors d'un grand procès improvisé dans la cour de la ferme, et Depardieu court follement de l'un à l'autre pour prévenir chacun que c'est le patron qu'ils doivent juger. Le patron et non l'homme. Pas de blague, les gars. Pas de blague, camarades, qu'il hurle en les interpellant tous. Ne commettons pas l'erreur, qu'il hurle. Ne confondons pas tout. C'est le patron qu'il faut condamner à mort, pas le bonhomme. Surtout pas le bonhomme. Cette précision faite, je me sens plus à l'aise pour parler du jour où ma mère m'appela au téléphone pour me dire qu'elle m'aimait. Elle venait d'avaler une boîte de Lexomil mélangée à de l'alcool et, avant de mourir, au moment de mourir, elle tenait à ce que je sache combien elle m'aimait. Elle tenait à me le dire de vive voix, au moment de quitter cette terre de malheur. Que j'en sois bien convaincu, après tant d'autres fois. N'en ai vraiment aucun doute. Comment dit-on je t'aime? Comme on fait ses adieux? Moi, au 100 coups à l'autre bout du fil, totalement affolé, tandis que sa voix partait dans les limbes, faiblissait affreusement, sa voix bourrée de Lexomil, que j'entendais tituber dans le combiné, buter sur les mots, se vautrer de tout son long dans le creux de mon oreille, devenir pâteuse et de plus en plus molle et pantelante dans le creux de mon oreille, de plus en plus faible et imperceptible, de plus en plus minuscule, infime filet de voix, simple souffle, absence de souffle. Silence. Maman? Allô? Allô? Elle expirait au téléphone, moi devenant fou à l'autre bout du fil, moi volant en éclats, ne sachant plus que faire, comment la sauver? Je m'arrachais les yeux, je me cognais la tête contre le mur. Comment pouvait-elle me faire ça? Comment la sauver? Mais qu'elle crève et qu'on n'en parle plus. Comment la sauver? Souligner un million de fois. Mon crâne explosait à l'autre bout du fil. Mon être se disloquait tout entier à l'autre bout du fil, car d'un côté, je devais impérativement alerter les pompiers et vite qu'ils foncent à la maison, vite qu'ils montent les 5 étages et défoncent la porte et lui enfournent des tubes dans la gorge pour la faire vomir et pourvu qu'ils arrivent à temps. Pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard et, d'un autre côté, en même temps,
Il fallait que je reste en ligne pour l'obliger à parler, la forcer à rester consciente, qu'elle ne cesse surtout pas de me dire qu'elle m'aimait encore et encore, qu'elle m'aimait à mort, qu'elle m'aimait à en crever, pourvu qu'elle reste éveillée et ne sombre pas dans des vapes d'où elle ne ressortirait peut-être jamais. Par ma faute. À cause de moi. Parce que je n'aurais pas appelé assez vite les pompiers? Ou parce que je ne l'aurais pas maintenue éveillée? Parce que l'un dans l'autre, je n'aurais pas pris la bonne décision. Je l'aurais abandonnée. Parce que je ne l'aimais pas assez et n'aurais pas été capable de la sauver, ma mère, ma maman. Oui. Comment dit-on? Je t'aime. Pas comme ça, m'étais-je écrié en moi-même ce jour-là, et ce cri ne m'a jamais plus quitté. Depuis ce jour-là, plus personne ne peut me dire je t'aime sans qu'aussitôt je serre les poings, grince des dents, gémisse tout au fond de moi, me blinde. Qui que ce soit, c'est devenu une très mauvaise idée dans mon cas, la pire chose à me dire. Ce qui ne facilite pas les relations amoureuses. Tellement je me crispe dès qu'on me dit je t'aime. Deviens granit, bloc de glace, boule de feu. Sirène hurlant dans la nuit. Devient pimpon. Tellement je songe tentative de suicide, menace de mort, chantage et oppression, et veux raccrocher aussi sec, couper court et appeler les pompiers, vite les pompiers. Tellement me dire je t'aime ressuscite une situation que je ne veux à aucun prix revivre, jamais. Une fois suffit, cette fois-là fut de trop. Cette angoisse-ci fut trop folle. Même si de l'eau a passé sous les ponts, comme on dit. Mais rien n'y fait. Me dire je t'aime est devenu un élément déclencheur de peur et d'hostilité, alors que cela devrait déclencher tout l'inverse. Quoi que je fasse, l'affolement est toujours là, la colère toujours là, le désespoir bien présent. Le sentiment d'être pris dans une contradiction impossible à résoudre s'est ancré en moi et, avec lui, la terreur la plus indicible, l'envie la plus furieuse de raccrocher immédiatement le combiné et de couper court si quelqu'un s'avise de me dire qu'il m'aime. Sachant que je ne peux pas raccrocher et le stress est si profond et insécable que je cherche alors des yeux un téléphone de libre pour appeler en même temps les pompiers, vite les pompiers, je ne plaisante pas. J'ai l'air de plaisanter, mais non. Ou je n'en ai pas l'air du tout. Je ne sais pas. Alors que je veux bien qu'on m'aime et aimerais évidemment me l'entendre dire, mais pas si dire je t'aime, loin de combler de bonheur, produit l'effet exactement inverse. Produit un sentiment d'insécurité et un sentiment de panique et un sentiment d'impuissance et une dissociation affolée, un réflexe pavlovien de rejet, et cela fait tout de même beaucoup d'embarras à la fois. Cela fait de moi un être. Comment dire? Ce n'est pas facile d'identifier ses propres modalités. C'est extrêmement difficile d'identifier ses propres modalités. Et par modalité, j'entends. Attends. Je poste ici un passage à l'adresse habituelle: www.ledossierm.fr/10. Dans lequel il est question, petit 1, d'une fille rencontrée dans un bar qui ressemblait étrangement à la fille qui, dans la pub pour Yoplait, le soir dans son petit lit, d'une voix indéfinissable, à la fois mouillée et rugueuse, niaiseuse et troublante, confie amoureusement à son pot de yaourt qu'il a changé sa vie. Et de quelle vie parle-t-elle? Elle regarde son pot de yaourt comme je regardais M, et de voir ça fiche tout de même un coup. Petit 2. Des mères qui accordent tendresse et amour à leurs enfants lorsqu'ils sont malades et les gosses ne sont pas si stupides pour ne pas se rappeler plus tard qu'ils peuvent obtenir tendresse et amour si et seulement si ils sont au plus mal, pourvu qu'ils soient au 36e dessous, même s'ils n'en éprouvent aucun plaisir. C'est ce qui s'appelle une modalité. Petit 3. Des paralytiques que personne n'a l'idée de pousser dans des escaliers, à moins d'être sadique,
Alors que nos paralysies psychiques, nos problèmes qui ne se voient pas au premier coup d'œil, comme je les appelle, rien n'affiche. Personne ne les prend en compte. Alors que chacun souffre de problèmes qui ne se voient pas au premier coup d'œil, parce qu'il lui est arrivé ceci ou cela qui a salement laissé des traces en lui. Alors que les problèmes qui ne se voient pas au premier coup d'œil, chouette titre de livre au demeurant, contrôlent des pans entiers de notre personnalité et partant de notre existence et partant du monde entier. Il se trouve que les gens, dont j'essaie de ne pas faire partie, font comme si leurs problèmes, qui ne se voient pas au premier coup d'œil, n'existaient pas. Ils refusent de mesurer l'étendue des dégâts. Même après qu'on a fait l'effort de leur raconter ce qui nous est salement arrivé, afin qu'ils sachent dans quel escalier il serait bon qu'ils évitent de nous pousser, ils nous écoutent bien gentiment, ils compatissent, ils font waouh, burk, ah, sniff, ils disent oh mon pauvre ou oh ma pauvre. Il leur arrive même de nous prendre dans leurs bras et ils se croient quittes. L'instant d'après, ils nous parlent comme si notre mère ne nous avait pas forcés à l'écouter se suicider au téléphone. L'instant d'après, ils nous disent qu'ils nous aiment, vlan, sans ménagement, sans précaution aucune, sans rire. Ils n'ont rien capté. Ils n'ont pas du tout percuté. Ils ne font pas le lien entre la cause et l'effet. Je le sais, j'ai des preuves. Parce que les gens prennent ce qu'ils voient de l'autre, mais pas ce qu'ils ne voient pas de lui. Ils ne prennent pas son histoire, qui n'est pas seulement son histoire personnelle, mais également son histoire sociale. Demande à un noir. Il sait que la couleur de sa peau peut être un problème qui se voit au premier coup d'œil. Le racisme. Mais elle est aussi un problème qui ne se voit pas au premier coup d'œil. L'esclavage. Lui sait qu'il doit vivre avec ce déni. Et tant d'autres problèmes ne se voient pas au premier coup d'œil chez tellement de gens. Et ça c'est un putain de problème. Cela pour t'expliquer que ma mère me dit et me répéta je t'aime au téléphone après avoir avalé un tube entier de Lexomil à la suite de parce qu'elle fut violée à l'âge de 8 ans. Voilà, c'est dit. Vois-tu le lien de cause à effet? Mesures-tu l'étendue des dégâts? Saisis-tu le problème qui, chez elle, ne se voyait pas au premier coup d'œil. Car ma mère a été violée lorsqu'elle avait 8 ans. À 8 ans, un homme l'agressa sexuellement. C'est elle qui me l'a révélé un jour, plus tard, bien plus tard, alors que le mal était fait, après que j'ai publié mon premier livre, et elle avait très mal pris ce que j'avais écrit sur elle. Elle était mortifiée des horreurs que j'avais pu raconter sur son compte, au point que elle et mon père envisagèrent de m'intenter un procès pour diffamation, pour m'apprendre l'ingratitude. Sauf que cela aurait fait de la publicité au livre. Sauf que tout ce que je racontais était vrai, je n'avais rien inventé, et même s'il ne l'aurait jamais écrit comme ça, mais qu'il l'écrive, j'avais finalement eu de la chance qu'il laisse tomber. C'est moi qui avais de la chance. J'avais vu l'étendue des dégâts de mon livre. J'aurais aimé que la réciproque fût vraie. Tant pis. Mais un soir, nous avions alors quasiment cessé de nous voir, ma mère m'avait lu un poème qu'elle avait écrit lorsqu'elle était adolescente. Un poème dans lequel elle racontait le viol d'une petite fille de 8 ans. Et cette petite fille de 8 ans était elle. Ce viol était le sien, et je ne connais pas les détails. Je ne sais pas jusqu'où ma mère, ma maman, fut violée. Le poème ne racontait aucun détail, et elle-même ne m'a révélé aucun détail. Elle ne pouvait absolument pas raconter les détails, et à mon niveau de sauvegarde individuelle, j'avoue n'avoir pas insisté.
Je ne tenais pas spécialement à connaître les détails. Je l'aurais écoutée si elle avait raconté les détails, mais elle ne le voulut pas. Elle ne le pouvait pas. C'était aussi bien. Je préférais ça, tout compte fait. Il s'agissait de ma mère. Il s'agit de ma maman. Cela aurait changé quoi de connaître les détails? Le mal était fait. Le mal était devenu irrémédiable et il ne recélait aucun mystère, nulle issue, rien de fascinant. Il s'agissait de malheur et de rien d'autre. Et pour ce qui me concerne, si tu veux le savoir, je n'ai plus aucune curiosité pour le malheur, plus aucun goût pour le malheur, absolument plus aucun. Je lui accorde un minimum d'attention. Je ne lui donne pas ça. Je ne me donne même plus la peine de faire semblant. Je me contente de fermer les yeux un bref instant et de les rouvrir aussitôt sans même faire waouh, burk, arc, sniff. Ce qui est fait est fait. Personne n'y peut plus rien. Ma mère a été violée lorsqu'elle avait 8 ans. Et alors? Et maintenant? C'est maintenant qui m'intéresse. C'est l'étendue des dégâts qui m'inquiète. Ce sont les problèmes qui découlent des horreurs et des abominations de l'existence qui me soucient. Les angoisses éventuellement pour la vie. Les angoisses évidemment pour la vie à cause d'eux. Parce que, à la suite des horreurs et des abominations de l'existence, ce sont elles que je prends extrêmement au sérieux. Elles qui m'émeuvent. Parce qu'elles témoignent pour nous, et elles témoignent contre les horreurs et les abominations qui nous sont arrivées. Parce qu'elles disent le courage à son niveau individuel des choses abominées en soi, le désastre à surmonter à chaque instant. Le problème qui ne se voit pas au premier coup d'œil à se coltiner en permanence, et le sourire à réinventer en permanence. Le combat obscur et solitaire pour que les ceci et les cela qui nous sont salement arrivés ne nous enterrent pas vivants. Et voilà l'important. Un viol n'est pas seulement un sale moment à passer. C'est beaucoup plus qu'un sale moment à passer car ce sont surtout des répercussions pour la vie. Et je crois être assez bien placé pour le dire. Pas aussi bien placé que ma maman, mais tout de même assez bien placé. Et en tous les cas, la violence faite à ma mère, elle m'est aussi retombée sur la gueule. J'en paye également le prix à mon niveau individuel des choses. De même, les violences faites à toutes les femmes, et puis aux noirs, aux arabes, à n'importe qui finalement, toutes les violences en définitive, car celles-ci ne restent pas lettre morte. Elles ne sont pas seulement l'affaire de celles et ceux qui les subissent. Non. Elles sont la pédagogie noire de la société tout entière. Et pour ma part, je n'imagine pas aujourd'hui d'autre combat contre le mal que le combat contre le mal que le mal engendre. Telle est ma philosophie. Je ne savais pas quoi dire lorsque ma mère me révéla qu'elle avait été violée à l'âge de 8 ans. Ma mère. Ma maman, agressée sexuellement à l'âge de 8 ans, alors qu'elle n'était qu'une gamine, alors qu'elle était une toute petite fille, elle avait 8 ans et, se disant, ma mère, ma maman, avait éclaté en sanglots. Non, c'est faux, elle n'avait pas éclaté en sanglots. C'est moi qui éclatais intérieurement en sanglots à ce moment-là, en songeant à ce qui lui était arrivé et à toutes les conséquences qui s'en étaient suivies. Les conséquences pour elle, les conséquences pour toute sa vie, jusqu'à avaler des tubes entiers de Lexomil ou s'ouvrir les veines et même se jeter parfois par la fenêtre. Mais les conséquences pour moi aussi, pour moi subséquemment, à mon tout petit niveau individuel et, in fine, les conséquences pour Julien aussi, par ricochet, par extension, ce que j'appelle l'étendue des dégâts. Ma mère,
ma maman, aurait peut-être voulu éclater en sanglots à ce moment-là, mais elle ne le pouvait pas. Il était trop tard. Elle n'avait plus aucune pitié pour elle, absolument plus aucune pitié, sauf lorsqu'elle écoutait Billie Holiday. Elle adorait Billie Holiday. Elle pleurait en écoutant Billie Holiday. Laquelle fut violée à 13 ans par un voisin, avec la complicité de sa mère, plus ou moins, et un an plus tard, à 14 ans, elle était call girl dans un bordel. Quand on aime quelqu'un, on prend la personne et on croit ne prendre qu'elle. On ne veut qu'elle. Sauf qu'on prend aussi toute son histoire. On prend ses problèmes qui ne se voient pas au premier coup d'œil. Et on les prend parfois comme un coup de massue. Comme un fardeau pour la vie. Une plaie qui jamais ne se refermera. On ne les a pas vus venir et si on avait su... Mais il est trop tard, et relis maintenant tout ce que j'ai pu dire de ma mère. Absolument tout, depuis le début. J'aurais préféré être au courant depuis le début. Oh combien ! J'aurais compris certaines choses. Salopard de violeur d'enfants. Salopard de violeur. Salopard de merde. Salopard tout court. Salopard. Ma mère, ma maman, aurait peut-être voulu éclater en sanglots à ce moment-là, mais elle ne le pouvait pas. Il était trop tard. Elle n'avait plus aucune pitié pour elle, absolument plus aucune pitié, comme l'homme qui l'avait violée n'avait eu pour elle aucune pitié, et elle ne pouvait pas m'en dire plus. Elle ne pouvait en dire davantage, sinon que il était mort à présent. Il était mort depuis très longtemps, m'avait-elle dit, en regardant sombrement ses mains et je ne sais pas. Je l'avais prise dans mes bras et je lui avais dit que je l'aimais. Et comment dit-on « je t'aime » ? Pas comme ça non plus, avais-je murmuré en moi-même, tout en serrant ma mère, ma maman, dans mes bras. Non, pas comme ça. Pas comme... quelqu'un chez qui on a retourné l'amour en son contraire, et quelqu'un chez qui on a retourné l'amour contre lui, et pas comme quelqu'un chez qui les choses ont été à ce point anéanties qu'il n'a plus de mots pour les dire, et les problèmes qui ne se voient pas au premier coup d'œil, ils se transmettent de génération en génération. Le mal se propage à travers nous. Il n'a plus de cesse, et par la suite... le passé conspire contre nous. Le passé conspire contre nous. Par la suite. J'avais noté ceci dans un de mes petits carnets. Il faudra que je dise un jour que 95% des souvenirs concernant ma mère ne restituent que 5% d'elle. Parce que les souvenirs les plus dévastateurs ont pris toute la place, occultant les autres. Qui furent pourtant bien plus chaleureux. Comme le journal télévisé fait 5% de ce qui a lieu réellement, 95% de son temps d'antenne, faussant tout. C'est foncièrement injuste, je le sais. Dans 95% des cas, ma mère fut là pour moi. Je savais pouvoir compter sur elle. Yen est ma mémoire. Il importe que cela figure aussi au dossier. Puis j'avais noté, en abusant des capitales et des majuscules, deux points, ouvrez les guillemets, ce qui nous démolit intérieurement, ce qui nous démolit totalement et absolument, c'est que personne ne se soit jamais excusé auprès de nous et de ce qu'il nous a fait. Nous ne recevons jamais d'excuses de personne. Pas une seule. De personne. Jamais. Qu'est-ce que cela leur aurait coûté de s'excuser ? Est-ce trop demandé ? Nous ne demandons pourtant pas la lune. Nous ne demandons pas de réparation. Nous ne réclamons aucune condamnation. Il est trop tard.
le mal est fait, tandis qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, pas réellement, c'est évident. C'est leur problème. Mais par la suite, ils auraient pu s'excuser, juste s'excuser, d'abord s'excuser, simplement reconnaître ce qu'ils avaient fait. Mais non, aucune excuse, jamais, de personne. Les nazis se sont-ils excusés? Les staliniens se sont-ils excusés? JR s'est-il excusé? Alors que ce serait un minimum, ce serait un début. Ma mère aurait accepté des excuses. Elle avait assez de cœur pour cela. Moi-même aurais accepté ces excuses. Je les aurais acceptées sans restriction. J'en aurais pleuré comme une bulle de douleur se crève et dans mes larmes il y aurait eu l'aube de temps nouveau. Il y aurait l'espoir, pourvu que les excuses soient sincères et non de pure forme, cela va sans dire, cela va mieux en le disant. Cela m'aurait sauvé. Cela m'aurait libéré, et elle aussi peut-être. Au lieu de quoi, nous restons prisonniers du tort qu'on nous a fait. Nous en crevons debout d'amertume. Nous ne trouvons plus jamais le repos. Faute d'excuses, nous sommes comme des morts privés de sépulture. Nous sommes des fantômes veillant notre propre cadavre. À vie, nous devenons les gardiens du mal qu'on nous a fait. À vie, sommes condamnés à ce que l'absence d'excuses fait de nous. C'est-à-dire des êtres durs, hargneux, méfiants et apeurés. Des êtres tourmentés, incapables de trouver la paix, assoiffés d'oubli, incapables d'aller de l'avant, incapables de vivre et de mourir. Incapable de nous réconcilier, incapable de dire je t'aime et de nous l'entendre dire, sans grincer des dents, sans prendre nos jambes à notre cou, sans quoi? Pardon, Julien. Je viens d'entendre à la radio que l'État allemand, juste après la débâcle du Troisième Reich, dédommageait ses ressortissants de retour de captivité sur la base de 5 marks par jour passés dans un camp de prisonniers ou de concentration, pourvu que la personne puisse justifier de ses dates d'entrée et de sortie dans un camp afin d'estimer au plus juste le préjudice subi. 5 marks pour chaque journée passée dans un camp de concentration. 5 marks, mais pas une excuse digne de ce nom. Comment dit-on « je t'aime » ? J'insiste, je pose et repose la question. Dit-on « je t'aime » pour dire « je t'aime » ou pour ne pas dire quelque chose? Comme un exorcisme, comme un exutoire, comme un rachat. Comme ma mère me dit qu'elle m'aimait au téléphone après avoir avalé une boîte de Lexomil car un homme l'avait violée alors qu'elle n'était qu'une toute petite fille. Elle-même me l'a révélé un jour plus tard, bien plus tard, ma maman, alors que le mal était fait. Oui, ma maman m'a lu le poème qu'elle avait écrit, dans lequel elle racontait le viol d'une petite fille de 8 ans, et cette petite fille de 8 ans était elle. Ce viol était le sien, et ce que je veux dire, ce que je cherche à dire, c'est quel était mon horoscope le jour où ma mère m'appela au téléphone après avoir avalé tout entier un tube de Lexomil? Et quel était son horoscope ce jour-là? Quel était son horoscope le jour où elle fut violée? La vie vous sourit, souriez-lui. Vous allez faire une rencontre qui pourrait s'avérer déterminante? Profitez de cette journée pour avancer dans vos projets? Manger des légumes verts? Bon, ce n'est pas ce que je cherche à dire, pas du tout. Comment dit-on « je t'aime » ? Finissons-en, ou ne finissons pas.
On sait bien que le combat ne prendra jamais fin. Depuis le suicide de Julien, je cherche à gagner en imperfection plutôt qu'en perfection, et je sais pourquoi. Cela fait 25 ans que, d'une main, je suis pendu au téléphone sans pouvoir raccrocher le combiné, tandis que, de mon autre main, j'appelle les secours. Et oui, je sais que tout ce que je raconte pourra être et sera utilisé contre moi devant un tribunal. Et si je n'ai pas d'avocat, il m'en sera commis un d'office. Et pendu au téléphone, cela veut bien dire ce que cela veut dire. Cela veut tout dire dans mon cas. Comment dit-on je t'aime? En joignant quel geste à la parole? En joignant un geste qui s'accorde à la parole ou en joignant un geste qui contredit la parole? Tout est là. Tout est dans le geste. Mais oui, dans le geste joint à la parole, et non seulement par la parole elle-même. Tout est dans le joint. Mais oui, c'est évident. Je ne le comprends que maintenant. Je comprends tout maintenant. Tout est dans le joint. Pas le joint qu'on roule et qu'on fume, non. Je veux parler de la sorte de joint qui raccorde deux tuyaux entre eux afin qu'ils communiquent ensemble. Et, dans le même temps, qu'ils ne communiquent pas avec l'extérieur, que ce soit dans un sens, fuite, ou dans l'autre sens, intrusion. Ce qu'on appelle l'étanchéité, et à mon niveau de tuyauterie personnelle, j'ignore s'il s'agit d'un joint torique ou quadrilobe, d'un joint en silicone, en céramique, à chicane ou à lèvres racleuses maintenues en pression. Des lèvres racleuses. Comme j'ai découvert qu'il existe des joints de toutes sortes en faisant des recherches, et même des joints à lèvres racleuses, mais c'est tellement évident tout à coup, tellement gros, comme le nez au milieu de la figure. Comment ne m'en suis-je pas aperçu plus tôt? Comment ne me suis-je rendu compte de rien? Fallait-il que les mots me mettent les points sur les i? Moi qui croyais que je cherchais à dire quelque chose, mais c'étaient les mots qui cherchaient à me dire quelque chose. Soulignés 10 fois. Eux qui voulaient me tuyauter. Eux qui m'ont guidé jusqu'ici pour que j'ouvre les yeux et fasse enfin le rapprochement entre M s'évanouissant après m'avoir murmuré à l'oreille je vous aime et 25 ans plus tôt, ma mère me disant je t'aime dans le combiné du téléphone après avoir avalé un tube entier de Lexomil. Et vois-tu le joint? Vois-tu la scène de la rue tronchée à la lumière du suicide de ma mère au téléphone? Vois-tu la bête tapie dans la roche? Je ferais bien une pause là tout de suite maintenant, histoire de souffler un peu, marquer le coup, fumer une cigarette, boire un verre, ou deux, ou trois. À la santé de la surface des choses. Dire que je ne me suis rendu compte de rien. Ni dans la rue tronchée, ni plus tard. Pendant toutes ces années où j'ai précieusement gardé en moi le souvenir de ce qui s'était passé rue tronchée. Où je me suis raconté la belle histoire du type qui croit embarquer pour Cythère alors qu'il ne fait que repasser par sa case départ. Et par la suite, combien de fois ne me suis-je fait la réflexion que je me serais sauvé de cette histoire si M ne m'avait pas murmuré à l'oreille qu'elle m'aimait? Ah oui! J'aurais fini par comprendre qu'elle ne m'aimait pas puisqu'elle ne me l'aurait jamais dit. Je ne me serais pas arraché le cœur, mais je me serais repris en main. Je n'aurais pas insisté. Je l'aurais laissé tranquille. Je me serais préservé. Je me serais enfui. Je le jure. Oh, le diabolique pouvoir des mots! Si seulement la scène de la rue tronchée n'avait pas eu lieu, Julien ne serait pas mort. Je le dis avec force. En revanche, je n'aurais jamais su, jamais découvert. Comment dire? Si M ne s'était pas évanouie juste après m'avoir déclaré sa flamme, elle n'aurait jamais mis le feu à mon âme comme à des hectares de maquis en plein été.
Elle ne m'aurait jamais enchaîné à elle de façon fabuleuse, et elle ne m'aurait jamais passé des menottes enchantées dont je découvre seulement maintenant de quel acier elles étaient trempées, dont je réalise tout à coup qu'elles furent, à mon niveau individuel des choses, devenues une de mes modalités les plus invétérées, l'instrument par lequel je fus libéré, dit-elle. Car, crois-moi ou pas, ce n'est que là, tout de suite, à force de phrases les unes après les autres, que je réalise, comprends, prends conscience, comme si ce que je disais savait quelque chose que j'ignorais avant que je ne le formule. Jusqu'ici, je n'avais rien soupçonné. Jusqu'ici, j'avais vécu comme une fleur bleue, en prenant les choses comme elles viennent, en les prenant bien ou mal, mais en les prenant pour argent comptant, sans me poser la moindre question, sans identifier les apparences, sans regarder en arrière, mais au contraire, en regardant tout le temps devant moi, tout le temps en direction de la lumière, comme tout le monde vit sa vie comme une petite fleur bleue attirée par la lumière, et nom de Dieu, si je m'attendais à ça, on croirait un canular, un nouvel épisode de mon Truman Show. Sans rire, cela m'apparaît tellement extravagant. Cela m'apparaît une telle perfection, oui, M murmurant qu'elle m'aimait et s'évanouissant dans mes bras, devenant molle et pantelante dans le creux de mon oreille, devenant de plus en plus faible et imperceptible rue tronchée, de plus en plus filet de voix, simple souffle, absence de souffle, silence, allô, allô! Vite les pompiers, tout de suite les pompiers, dans les deux cas les pompiers, dans le cas de M comme dans le cas de ma mère et qu'elle. Quoi? Je n'ai pas de mots. Coïncidence? C'est trop peu dire. Similitude? C'est évident. Prolongement? Je chauffe. Reprise, je brûle. Absolution, on y est. C'est ce que je dirais. Le mot absolution. Ce mot-là, oui. L'évanouissement de M rue Tronchée comme l'absolution du suicide de ma mère au téléphone. Quelque chose dans le genre. À 25 années de distance. À mon niveau d'incrédulité personnelle, sans l'avoir prémédité, sans le soupçonner à aucun moment. Tout ceci eut lieu hors de ma portée. À croire que les événements s'arrangent entre eux et qu'ils mènent la danse comme dansent les souris quand le chat n'est pas là. À croire que la vie a le pouvoir de réparer ce qu'elle-même a défait, fût-ce à 25 années de distance et mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Nom de Dieu! Que dois-je comprendre de l'un des pires moments de mon existence, ressuscité en l'un des moments les plus heureux de mon existence? Car ce que je vécus rue Tronchée fut pour moi aussi intense et bénéfique que le suicide de ma mère au téléphone avait été intense et maléfique. Et quel est le message? Faut-il atteindre un niveau d'intensité au moins égal pour que s'inverse le cours des choses? Transmuer de nouveau l'or qui fut changé en plomb? Je ne sais pas. M comme le feu par le feu, comme théurgie, comme quoi? Peux-tu me le dire? Peux-tu passer une main langoureuse dans tes cheveux? À quoi tout cela rime-t-il? La réalité se trouve-t-elle de l'autre côté de mon esprit ou est-ce moi qui la convoque? Je ne sais pas. Je voudrais dormir. Ai-je retrouvé dans la lumière de la rue Tronchée ce que j'avais perdu 25 ans plus tôt à l'autre bout du fil? D'une façon ou d'une autre, on finirait donc par récupérer ces clés? Cette idée me plaît beaucoup. Elle m'enchante. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que M cherchait exactement à me dire lorsqu'elle murmura « Je vous aime » dans le creux de mon oreille.
si elle voulait dire je vous aime ou si elle voulait dire autre chose. Si elle voulait dire quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire avant de s'évanouir dans mes bras, comme ma mère me dit qu'elle m'aimait, et cela voulait dire tout à fait autre chose. Si, me disant je vous aime, elle retourna lentement vers la lumière l'instant où, petite fille, elle s'était laissée tomber comme un sac du haut d'une échelle. C'est une hypothèse que je ne pourrai jamais ni confirmer ni infirmer. Tant pis. Pas grave. Suicide de ma mère ou pas, le miracle de la rue tronchée gardera toujours pour moi son aura. À jamais il restera le jour où la malédiction qui me frappait fut levée, car dans cette rue tronchée, pour la première fois depuis 25 ans, pour la toute première fois de ma vie, j'entendis les mots je t'aime et je pus entendre les mots je t'aime sans serrer aussitôt des poings, ni grincer des dents, ni gémir intérieurement. Oui, je reçus et je pus recevoir, sans être immédiatement sur la défensive, ces mots que le cœur n'est, je le confirme aujourd'hui, jamais las d'entendre, et comme du miel versé dans le creux de mon oreille, comme on ouvre des volets et on laisse entrer le soleil dans la chambre, et frappé d'éblouissement, on reste accoudé à la fenêtre à s'emplir d'air les poumons, et à sentir la caresse du soleil sur son visage, comme lavé de la nuit, comme une réconciliation qu'on n'espérait plus. Je peux dire qu'elle fut retrouvée dans la rue tronchée. Quoi? La joie d'être aimée et de me l'entendre dire. Comme la vie est ridicule. Non, pas ridicule. Fabuleuse. J'ignore si le prix du mètre carré va maintenant grimper en flèche dans la rue tronchée. Ce serait drôle. Vraiment comique. À mon avis, justifié. En attendant, que ceux qui résident dans cette paisible petite rue du 8e arrondissement de Paris ne m'en veuillent pas de troubler leur tranquillité. Mais je verse, séance tenante, la rue tronchée au dossier. Toute la rue tronchée. Hop! Avec ses hôtels 3 et 4 étoiles, ses boutiques de luxe et ses immeubles et tout ce qu'ils contiennent, gens et choses, pas de chichi. Tellement cette rue tronchée m'appartient. Tellement il me faut la réquisitionner pour les besoins de mon enquête, afin que soit élucidé, une bonne fois pour toutes, de quoi M fut pour moi le signe. Ce pourquoi je mépris autant d'elle, et ne pus faire autrement que de méprendre autant d'elle, et à la fin, Julien s'est pendu avec la ceinture de son pantalon. Car ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre quelqu'un qui concentre sur sa personne tant d'émotions qui nous sont propres, quelqu'un qui fait sauter nos verrous. C'est une chance inestimable de trouver quelqu'un qui joue notre partition sur son clavier. Cela qu'on appelle l'amour? Qui aurait cru, à ma place, que M ne lui était pas destiné. Pour le dire autrement, et n'y plus revenir, promis, on appelle triangle, en géométrie euclidienne, toute figure plane formée par trois points, appelés sommets, qui, une fois reliés entre eux par trois segments, appelés côtés, délimitent un domaine du plan appelé intérieur. Et si je compte bien, entre M comme annonciation, près de la machine à café de marque Illico, et M comme réincarnation, d'Ali McGraw, et M comme absolution, du suicide de ma mère au téléphone, cela fait trois sommets qui, une fois reliés entre eux, délimitèrent le plan intérieur d'un triangle qui était peut-être rectangle ou isocèle, scalène ou ambligone, mais plus sûrement des Bermudes. Là où je disparus tout à coup de mes radars. Là où présent et passé se trouvèrent miraculeusement triangulés, et l'invisible dans le visible. L'invisible dont le visible est tissé. Voilà ce qu'il faut démêler si on veut avoir une vision complète du puzzle. Et tu sais quoi? Non, rien. Je préfère me taire.
Horoscope pour la journée du 27 juillet 2004, jour de la Sainte Rue Tronchée. À verser également au dossier. Cancer, vous vous dispersez. Fixez-vous des objectifs clairs et précis et le succès sera au rendez-vous. Vierge, les relations avec l'être aimé se révèlent pleines de surprises. Attention à ne pas en faire trop. Moi, son être aimé dorénavant. Elle, en faire trop. Allons donc.